What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière sur Destiny 2, je vais vous présenter l'arme la plus abusée, la plus pétée du jeu pour l'instant, même Bungie l'a avoué, il faut le dire, alors je vous la présente directement, elle s'appelle le cristal de Prométhée, c'est ce fusil à rayon solaire, et même Bungie en a parlé sur un tweet, donc il y a Dij, le community manager de Bungie, qui a fait un tweet en disant que le cristal de Prométhée faisait plus de dégâts que prévu, et que du coup ça serait corrigé prochainement, voilà, pour l'instant on ne sait pas encore quand, et j'ai eu la chance de le looter hier, donc au début voilà, j'avais vu leur tweet comme tout le monde, enfin comme ceux qui les suivent. Et du coup j'ai looté cette arme, puis je me suis dit allez tiens je l'ai looté, je vais aller faire un tour en PVP avec, il y avait beaucoup de gens qui en parlaient. J'ai été faire un tour en PVP avec et les gars franchement je fais plus du tout de PVP, j'ai retourné les adversaires, c'est vraiment un délire, c'est incroyable l'efficacité de cette arme, c'est même vraiment trop abusé. Alors au niveau du skin, de l'arme etc, ça ressemble vraiment au cœur de glace mais en version solaire, on peut même comparer un petit peu hein, les perks etc. Vous voyez il y a un petit peu moins de stabilité, on a moins de munitions dans le chargeur mais on a une capacité qui fait que les frags avec cette arme permettent à une fraction des munitions utilisées de revenir dans le chargeur. Du coup, en cas de frag, vous avez des munitions qui vont s'ajouter dans le chargeur, ce qui fait que cette arme peut avoir vraiment un nombre de munitions assez importante. Voilà. Et on a également Enfer Prismatique, lance un rayon solaire et génère un champ de chaleur qui cause des dégâts et grandit tant que l'arme continue de tirer. Voilà, donc vous allez voir franchement, elle est vraiment incroyable. J'ai joué en PVP hier avec mon arcaniste. J'avais pas fait de PVP depuis bientôt un mois et demi facilement, même deux mois. J'ai retourné l'adversaire, c'est incroyable. Alors c'est parti, j'ai pris le chasseur il est à peine monté, j'ai même pas fini encore de faire le scénario avec, avec le chasseur. Du coup je vous propose, on lance une petite partie, je vais en faire une ou deux, je pense qu'il y aura pas besoin de plus de parties pour vous montrer à quoi cette arme, voilà, enfin comment elle est abusée. Alors attention également, je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo pour vous dire de jouer avec cette arme, bien entendu. Je fais vraiment une vidéo pour vous montrer à quel point elle est abusée, elle me fait penser un petit peu à la Vex. À l'année 1 de Destiny 1 pour ceux qui ont eu la chance de la looter rapidement, ce qui n'était pas mon cas. Au tout début la Vex faisait des dégâts, c'était ouf. Franchement vous tombiez face à une Vex en PVP, vous étiez mort. C'était vraiment une arme qui était vraiment trop abusée. Et moi ça me fait penser à ça. Alors la Vex il avait corrigé assez rapidement. J'espère que ce sera le cas également pour le cristal de Prométhée. Faut savoir qu'il y a le jugement des 9 je crois qui va revenir ce week-end. Et s'il y a des mecs, vous tombez face à une escouade, les 4 ont le cristal de Prométhée, je vais pas donner cher de votre peau. Franchement cette arme elle est vraiment ouf. Elle est vraiment abusée et j'espère vraiment que ça va être corrigé rapidement. Voilà, je fais évidemment juste cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'efficacité de cette arme. Je pense qu'il y a des gens qui sont curieux. Il y a des gens qui nous ont demandé également sur Twitter ou dans l'espace des commentaires si on pouvait faire une vidéo avec cette arme en PVP. Donc voilà, je vous la présente, je vous la fais. Il n'y en aura qu'une. On va pas, voilà, on va pas. De toute façon, je vais pas m'abrutir à jouer en PVP. C'est vraiment pas le côté du jeu que je préfère. Donc allez c'est parti, j'espère que ça va bien se passer, je regarde un petit peu s'il y a des escouades complètes en face. Non ça aurait été marrant parce que pour voir un petit peu si on peut soulever une escouade complète. Mais bon voilà, je bois mon petit café, on est tôt le matin. Hop, côte reculée, c'est parti. Alors si je dis pas de bêtises, la côte reculée c'est la map qui a été remasterisée, ouais voilà c'est ça. Vous allez voir franchement, je vais jouer qu'avec cette arme, hein. Je change même pas d'arme, je joue qu'avec celle-là. Vous allez voir c'est vraiment incroyable, c'est un délire. J'aurais dû regarder d'ailleurs s'il y avait d'autres gens qui l'avaient. Allez, let's go. Alors, je suis froid, hein. C'est vraiment ma première partie de la journée, les gars. Let's go. Hop. Ah, je suis tombé sur une grande map. On va essayer, hop, d'aller par là. Hop, il est mort. Personne, peut-être derrière nous, les gars. On se retourne. Allez, ah, derrière nous. Alors il est un peu loin, j'ai réussi à l'avoir quand même, j'ai réussi à l'avoir. Hop là, on va les contourner par là. Le petit coquin, viens là, je sais que tu m'as vu, il y en a derrière moi. Hop, vous voyez à quelle vitesse on les tue avec cette arme. Elle est abusée, c'est abusé les gars. Ah dommage, il y avait l'autre qui m'a tiré dessus. Je suis sûr que je l'aurais tué sinon. Incroyable, franchement incroyable. En PVP, enfin, vous voyez là, j'arrive quand même à les retourner. Alors qu'en PVP, c'est loin d'être mon domaine de prédilection, j'ai envie de dire. Allez.
Oh là là, oh là là, j'ai louché. Je l'ai eu quand même, mais j'ai louché. Oh là là, c'est ouf par contre. En fait, dès que le bouclier il est enlevé, c'est ça en fait, c'est la vitesse à laquelle on enlève le bouclier. Ah, bien joué. Hop. Alors j'imagine même pas un gros joueur, faut vraiment un joueur qui se débrouille en PVP, qui joue régulièrement PVP, etc. Il doit faire un massacre avec cette arme, les gens. Parce que moi, voilà, j'y joue vraiment rarement, hein, comme je le dis, le PVP. Oh là là, toi avec ta Mida. Tiens, enlève ta faille. Tiens, j'ai un peu de mal quand ils sont loin, par contre. Hein. Ça se voit que c'est la première partie de la journée, là. Allez. Ah voilà, j'ai pris trop cher, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. J'ai l'impression que les mecs qui sont avec moi, ils sont chauds aussi. Alors j'ai pas regardé s'il y avait d'autres gens qui jouaient Forgeron un petit peu la feed. Parce que c'est vrai que dans la feed, l'arme, elle a un petit logo assez particulier. Et on peut voir facilement s'il y a un mec qui joue avec ou pas. Alors ça serait pas mal hein, non plus. Tiens, tant qu'on est en PVP, autant qu'on en parle un petit peu, franchement. Qui remettent les anciens modes, 6 contre 6, etc. En plus sur des maps comme ça, là, putain. Ce serait vraiment pas un luxe. Un petit pistolero. Abusé. En fait, vous avez vu, vous tirez le rayon et en fait, à l'endroit où vous tirez, ça fait une boule. Et du coup, elle explose. Quand vous mourrez, enfin, ça fait des dégâts supplémentaires. C'est ouf, quoi. C'est vraiment... Vous avez bien mérité cette victoire. Bon, nickel. J'aurais bien aimé un petit exotique, en plus. Mais bon, on va pas tout demander. Alors, je sais même pas combien j'ai fait de frag. On va ramener ensemble. Je sais pas si je vais faire... Peut-être que je vais faire une deuxième partie, quand même. Je vous montrerai les meilleurs moments comme ça de ces deux vidéos. Il y aura pas besoin de vous mettre trop longtemps. Hop, 16-6, voilà, vous voyez franchement pour un mec qui joue jamais en PVP, alors il y avait des mecs qui étaient chauds avec moi apparemment. Mais voilà, 16-6 franchement, je joue jamais en PVP, c'est vraiment pas mal. J'aurais dû regarder son arme à lui, je sais pas si, non je crois que j'étais le seul à jouer avec. Hop, bon voilà les potes, on a trouvé une deuxième partie du coup, on va faire une deuxième, on est sur représailles sur Mars. Alors cette map, moi dans les souvenirs ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais pour moi c'est une map où les gens sont assez immobiles et que ça joue vraiment beaucoup le team shot. Du coup on va voir un petit peu comment on s'en sort avec le cristal de Prométhée. Allez c'est parti, alors hop, je sais pas, je me souviens plus trop de la map là, ça fait un petit moment. On va passer par là je crois, hein. Allez let's go. Il y en a un qui va prendre une roquette, il va pas comprendre. Voilà, c'était sûr. Bien joué. Allez, pour l'instant, je cherche pas grand chose dans la team là, alors que j'ai une arme qui est assez pétée. Ah ! Ah, cristal de Prométhée en face, vous avez vu ou pas ? Il y en a un qui joue avec. Ah ouais mon pote, on a fait un duel de cristal de Prométhée là, c'était sale. Il y en a un, il reste là. Ah il y a l'autre, bien joué. Vous avez vu, franchement, ça fait trop mal cette arme, elle fait vraiment trop mal. Je tombe face à un mec, ça tombe bien en fait que je vous en parle et qu'il y a un mec qui joue avec en face. Bon, j'espère que cette arme va pas trop... après, moi, sincèrement, je joue pas en PVP, donc voilà, si je vous la montre, c'est vraiment pour montrer à quel point l'arme est abusée et que voilà, je sais qu'il y en a par curiosité, voilà, qui n'auront pas l'occasion de la looter et qui auraient bien aimé voir ce que ça donne. Il m'a mis bien la grenade, là. Et du coup, c'était vraiment pour montrer à ceux voilà, qui n'ont pas l'occasion de voir ce que ça donne un petit peu en PVP. Mais vraiment, je vous souhaite pas de tomber sur des escouades qui vont jouer full Cristal de Prométhée parce que c'est un petit peu abusé quand même. Et ouais, mon pote. Ah ouais, bien, putain, j'ai pas vu qu'il y a l'autre. Il est pas mauvais lui, hein. Allez! Putain. Non! Vous avez pris la tête. Vous les écrasez. Allez les mecs.
On l'a eu, putain, c'est ouf. Ah bah y'a un mec qui joue avec nous là. Oh là là, c'est abusé. Abusé. Il y en a un qui joue avec moi, vous voyez, il y a déjà, franchement, dans une partie, on est 8 là, il y en a déjà 3, on est déjà 3 à l'avoir, putain. C'est ouf. Ah, puis les gens, ils ont compris rapidement. Il est con, lui. Oh, j'ai louché sur la fin. Ouah, c'était incroyable la fin de la game là, franchement. Putain, vous avez vu, franchement, cette arme, elle est vraiment abusée. Donc j'espère que Bungie va la patcher assez rapidement. C'est ouf, franchement, on était 8 dans la game, on était 3 à jouer avec déjà. Donc j'ai pas retenu les noms, mais il y en avait un avec moi et un en face qui l'avait déjà. Donc c'est à dire que le loot, enfin voilà, c'est quand même assez... Ça tombe vraiment beaucoup, hein, comme les exotiques, j'ai envie de dire, dans Destiny 2. Bon, voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, je le redis, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire dans les commentaires, je ne fais pas cette vidéo pour inciter les gens à jouer avec, bien au contraire. Même ceux qui l'ont, je vous incite au contraire à ne pas jouer avec. Voilà, ça dégrade nettement le PVP, déjà qu'il n'est pas au beau fixe. Alors voilà, c'est vrai que ça le dégrade. Je vous conseille d'utiliser d'autres armes, et c'était vraiment pour montrer aux gens qui étaient curieux, aux gens qui n'ont pas la chance d'avoir cette arme, les dégâts qu'elle peut faire en PVP. Elle est vraiment incroyable. En tout cas, je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous, tchuss.